Hello les citizens! Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Citoyen 224 est une page qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, de la culture et de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier, être vrai. Restez pour la suite. Merci. Les gens font tout pour plaire aux autres, mais au fond d'eux, ils vivent un mal-être très profond qu'ils essayent de masquer. Pourquoi il faut être vrai? Il y a plusieurs raisons à cela, je vais vous en donner trois. La première, c'est juste pour pouvoir vivre simplement, sans avoir de pression externe, de pouvoir s'exprimer comme on le sent. La deuxième raison, c'est que ça nous facilite la tâche. Tous les efforts qu'on fait pour montrer qu'on est heureux, un sourire par-ci, un sourire par-là, alors qu'on a du mal, on a envie de s'exprimer ou de dire ce qu'on ressent, et se faire passer pour qui on n'est pas, ou on peut même se créer des problèmes financiers, juste pour paraître, aller acheter un sac à 2 000 $, ou faire semblant d'avoir un sac à 2 000 $ alors qu'on n'a même pas 100 000 francs dans son sac, ou s'acheter un iPhone alors qu'on dort par terre. Ça, c'est vraiment des choses qu'on doit arrêter. Donc, c'est une façon aussi de nous faciliter le poids de la vie, de pouvoir vivre à la hauteur de nos moyens. La troisième raison, c'est juste qu'il faut être vrai parce que ça nous permet d'avoir des relations plus saines en société. Quand les gens savent qu'on est honnête, qu'on est sincère, surtout sur qui l'on est, ils nous font plus confiance et on peut tenir des relations durables. J'espère que vous avez aimé ce sujet. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, mettez-les dans les commentaires et prochainement on en parlera dans la petite minute. Merci beaucoup, merci les citizens pour tout le soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.